Et bonjour à tous, c'est Valkenbax. On se retrouve aujourd'hui pour le 15e épisode de ce PVP du PIF. C'est un épisode en 5, du coup je fais ce que je veux. Et là, quel est le build de ce jour? Eh bien, il s'agit d'un build les assassins de Dranglake, parce que oui, vu qu'il y a Alva qui se balade près du cachot de Lothric, et qu'il y a Creton qui se balade aussi, eh ben je me suis dit, allez hop, les assassins de Dranglake, vous me l'avez pas suggéré de mémoire, si jamais quelqu'un me l'a suggéré, bah désolé, j'aurais encore oublié, j'aurais encore failli à mon devoir. Donc c'est un build assez classique, assez standard en termes de stats, 40 en vitalité parce que, voilà, 30 en endurance, 17 en vigueur pour être juste sous les 70%, 40 et 40 en force et en dex, et 14, un tel 14 fois, parce que c'est mon build de base, et 45 parce que j'ai les anneaux, chevalier et chasseur. Et après, grâce plus 2, chloranti plus 2, donc j'ai le casque et les jambières d'Alva, et la côte de maille, et voilà, tout simplement, j'ai pas récupéré les bannières, il faut que ce soit moite-moite. Donc du coup, en arme, évidemment, j'ai la hache du tueur de dragon, et le Murakumo, je sais pas si Creton a une autre arme, ou s'il utilise juste une hache, je sais plus, bref. Quel con, hein. Heureux en fait, désolé. J'ai totalement zappé. J'avais oublié en fait que je n'avais pas fait le boss du DLC et que par conséquent, je n'avais pas accès au PVP. Comment con. Du coup, on fait ça. Le temps de plus de mort, c'est ça. Ça fait un des plombes depuis au moins 10 jours que j'ai pas fait de PVP. Je voulais, je sais pas, faire un break ou quoi de Dark Souls. J'ai commencé. Enfin, pour de vrai. Deus Ex Mankind Divided, que enfin vraiment je trouve ça vraiment énorme. Le level, bon, même si j'ai l'impression, je suis à la 7ème mission principale et j'ai un peu l'impression que dans le jeu il y a que 3 zones en fait. Il y a Prague, Golem City et j'imagine la zone de fin, mais c'est, je trouve ça, c'est con parce que dans Human Revolution, il y avait certes il y avait Détroit, mais il y avait Détroit et Inksha, donc deux zones récurrentes. Mais, enfin, je sais pas, les quêtes secondaires étaient quand même plus... Enfin, quêtes principales nous embarquaient quand même. Enfin, on avait le truc en Arctique, on avait tout de Taillon Medical. Ben, je sais pas. Enfin, peut-être... Enfin, je vois beaucoup de gens dire que c'est Human Revolution en moins bien. Peut-être qu'il est moins pété que Human Revolution, puisque Human Revolution était vraiment une révolution à ce niveau-là. Enfin, c'était fou à l'époque. Les jeux d'infiltration existaient à l'époque, évidemment, il y avait déjà les Hitman et les Splinter Cell, mais de là, avec tous les le jeu d'infiltration à pouvoir, c'est... Ça a vraiment commencé, recommencé avec Human Revolution, je trouve. Et Dishonored, bien sûr. Oh, tu utilises la Dark Sword, punaise, tu es un vieux de la vieille. Ah, l'hyper armure. Pas de mon côté sur ce coup-ci. Mais la Ghost Range au début... Ah mais pourquoi j'ai un bouclier mais quel... Oh excusez-moi, vous n'avez rien vu. Ah c'est du compliqué de faire du mini, voilà. Non mais non, je vais pas faire ça, voilà. Attends, excuse-moi Billy. Voilà. Comme ça on est mieux. Oula, tu n'as rien vu, tu... mon cosplay du pif... Ah ah ah. Ah ce bait. Gérez votre timing les cocos, hein. Ça vous sauvera la vie. Ah j'ai oublié ça, les saignements en mode Power Rangers. Le mec explose, puis esquive. Jolie maîtrise de la portée. Même si tu es un dragon à poil, ça me dérange tellement. J'ai oublié à quel point les dragons dans Dark Souls 3 étaient tellement merdiques, quoi, comparé à Dark Souls 2. Dark Souls 1 était un peu moche et personne ne l'utilisait. Dark Souls 2 c'était assez stylé, avec l'armure et tout. Mais putain... Dans le 3 quoi, mais c'est qu'est-ce que c'est que ces abominations? Ces espèces de dragons maigres en slip cornu dégueulasse. Enfin, dragon cornu en slip. Un slip cornu c'est différent, mais... Ah, raté. Ah, décalage de timing, bravo. Ah, c'était chaud.
Non, quand même pas. Je connais un minimum la gus range d'un couteau pour pouvoir l'esquiver latéralement. Nickel! Décalage du timing, les enfants, ça vous sauve la vie. Vous aidez combattants, même Pogden. Combattant de Pogden, c'est son vrai nom. Donc maintenant tu es nu. Oh, migraine! Oh, non mais franchement, non mais regardez ça, c'est dégueulasse quoi. Bref. Vous êtes là pour voir du jeu, du bon PVP hein, et pas voir un Falcon Dax en train de se plaindre en permanence. Ou pas, ou pas. Est-ce que ça fait partie du deal ou pas? Tu veux qu'on trade encore? Ah, joli. J'avais sous-estimé le pouvoir de la Dark Sword. Enfin, j'avais sous-estimé. C'est que je l'avais oublié en fait. La méta a tellement changé. Genre, Falcon, l'expert en PvP tout d'un coup. Quand soudain, un expert en PvP. Ah, t'es là. Coucou. Enfin, je comprends pas ce. Oh, c'était chaud. Mais mec, en plus, tu fais que des R1, quoi. J'ai l'impression de voir des gens. Un mec. Ce mec est prisonnier d'une bulle temporelle, j'ai l'impression. Le mec joue. Fait du PVP comme s'il était en juin 2016. Sauf que nous sommes en janvier 2017, de monsieur. Il est temps de faire autre chose que des R1, bordel de merde! Enfin, Falcon, est-ce que tu fais mieux, toi? Bah, j'essaye. Je suis de l'ambidextrême, moi. Ah! Je sais pas, varie ton moveset, quoi. Mais c'est même pas intéressant de se battre contre des gens comme ça. Voilà, merci, casse-toi. C'est. Je sais pas, varie un peu ton moveset, fais du décalage de timing. Fais autre chose, bordel de merde. Mais c'est peut-être temps que je fasse autre chose que du PVP du pif aussi. Mais merde, quoi. Fais autre chose que du R1. C'est pas intéressant de faire du PVP contre ces gens-là, quoi. Tiens, putain, mais voilà, 912 dans ta gueule, tout ce que tu mérites. C'est même pas intéressant de se battre contre toi, quoi. GG, non mais va-t'en. Sors de mon FOV, s'il te plaît. Non, c'est tellement pas intéressant. C'est comme le mec, je sais plus dans quel épisode c'était, c'était avant. Pourquoi je suis. But why? J'ai démonté, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je fais. En espérant que ce soit pas le même mec. Si c'est le cas, bah je lui fous une raclée et après je fais du duel quoi. Mais c'était un autre mec, je sais pas, il avait un grand bouclier et une rapière. Et tout ce qu'il faisait, c'était blocage, R1, R1. Blocage R1, R1, le mec faisait que ça. Je sais plus dans quel épisode c'est, peut-être l'épisode 9, ou je sais pas, je sais plus quoi. Mais merde quoi, c'était pas intéressant. Je crois que j'ai perdu contre lui en plus. C'était. Non mais c'est ça, je préfère. Enfin, je préfère gagner contre des mecs qui jouent bien que perdre contre des gens qui savent pas jouer. Non mais. Rendez-vous compte. Enfin, si vous faites du PVP vous-même, peut-être vous me regardez mais que vous faites pas de PVP vous-même. Si vous faites du PVP et que vous tombez sur des gens comme ça, mais c'est tellement pas intéressant. Juste, même si c'était un duel de portée de Ghost Range, de pain fantôme, ok, mais là, mais c'est tellement pas intéressant, vu que c'est une épée longue, quoi, c'est pas comme si c'était une arme originale ou quoi. Oh! Bienvenue! Crimson Douchebag, Disharg, pardon, excuse-moi. Tu as la tenue d'Avel, et tu as une épée longue. C'est promis, hein. Oh! Des grosses pyromancies.
Est-ce que c'est la vieille strat du vas-y, je te bait avec des vieilles attaques au corps à corps et après je fais une flamme noire qui t'enlève la moitié de ta vie parce que l'équilibrage de la pyromancie est quand même assez douteux. Hein. Enfin, en même temps, j'ai envie de dire, l'équilibrage est mort depuis un bail. Mais bon, c'est encore la seule pyromancie viable parce qu'elle est totalement cheatée justement. C'est con. Hyper armor. Non mais c'est ça, genre, variez-vous moveset, là vous voyez, je l'ai eu avec un bait R2. Lui il avait commencé son open art, donc du coup il tentait des trucs. Là, ce mec-là est plus intéressant à combattre. Le PVP c'est pas juste gagner ou faire des vidéos mimes avec des montages dubstep. Non, ça peut être juste pour la gloire du combat et trouver des adversaires qui valent le coup, quoi. Genre, je me réveille enfin, 16e épisode, Falken dit enfin, sort enfin vite son sac sur le PVP de Dark Souls. Monsieur, arrêtez de trade, s'il vous plaît. Tu enlèves tes cheveux, hein. C'est très gentil, mais Saitama, je ne suis pas intéressé. J'ai déjà solaire dans ma vie, du coup. Ah, mais tu sors le nœud à chier! Ah, excuse-moi, pardon. Monsieur, on ne part pas les attaques sautées. Oh, joli! Joli! J'admire le counter. Un Havel bouclier d'avarice qui me lance un counter, c'est assez rare. J'oublie que. Ah, mais oui! Ah, demain, ok, c'est un éclatement vertical, très bien. Un éclatement vertical. Je t'éclate! Genre. Non, je pense que je t'ai mis un pain fantôme assez sale. Mais voilà, là c'est intéressant, là le mec varie ses coups et tout. Enfin, le mec fait des paris, et des paris avec un nœud d'Achis que tu vois jamais. Au lieu de faire juste un vieux pari avec le Cest et un anneau du frelon, là le mec il tente des trucs. C'est sympathique. Bon après là le running R1 juste pour me buter, c'est quand même un peu la flemmardise d'un homme. Oula, oula, le... Ouais, c'est vrai. Vu qu'ils ont nerfé ça, je pense que le mec on doit en avoir ras le cul de ce combo. Mais c'est vrai qu'il fait très mal. J'essaie de pas trop l'utiliser. Enfin là, j'ai fait deux fois, je l'ai casé deux fois. Mais c'est vrai qu'il est quand même assez puissant. Surtout que le Murakumo, merde. Joli. Ah, attends, c'est ça les règles de la police break. Si je jamais, enfin l'enchaînement qui a suivi lui a permis en fait de faire un combo à trois coups. J'ai pas pu rouler en fait après le deuxième coup, ce qui est normalement est la règle normale de l'hyper armure dans le jeu. Mais si il y a un certain enchaînement d'action, je suis en train de parler, excuse-moi. Si y a un certain enchaînement d'action, et ben en fait on va pouvoir enchaîner des coups à trois, des combos à trois coups. C'est ouais, non mais c'est assez particulier. Très étrange, le premier coup était vachement réduit. Par contre, le Nodashi plus 1, ça suffit. Enfin, c'est quoi ces dégâts? Et non, attaque roulade R2. Donc ça revient au deuxième R2. Donc si vous ne le saviez pas, roulade R2, c'est égal à, là par exemple, donc par exemple. R2 normal et R2 de gauche vers la droite, et la roulade R2 gauche vers la droite, si jamais vous ne le saviez pas. Donc, ça c'est cool quand même, cette espèce de petite variation. C'est pas une variation de moveset, c'est juste. Bon, mec. Pas de sprinting R1. Vous voyez, 1035, bordel de merde, c'est quoi ce combo? Non mais j'avoue, j'aurais pas dû prendre cette. J'ai oublié à quel point en fait le Murakumo était totalement pété du cul. Et en plus j'ai un build 45-45. Et encore, j'aurais pu mettre en raffiné mon Murakumo. Là j'aurais pas fait 1035, j'aurais fait si j'en crois la conjoncture actuelle sur les gemmes et sur les gemmes raffinées, je pense que j'aurais fait 1000, 1150, 1200 points de dégâts. Donc du coup bah je l'aurais totalement one shot.
C'est con parce que d'un côté, il aurait pu juste prendre 900 points de dégâts en esquivant le troisième coup. Donc genre R1 et là tac 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 le troisième coup avec la vu qu'ils ont nerfé ça sur les weapon art de ce type, les weapon art de ce type, et ben il aurait pu esquiver le troisième coup. Mais là il l'a pas fait, du coup il s'est bouffé la max. Du coup c'est sa faute. Non, même si voilà, utiliser des armes aussi craquées, c'est pas forcément très très sympathique. Bonjour, Sébatina. Oh, c'est un argent 4. Oh, un ceste. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut signifier? Un mec avec un ceste. Un mec avec une lance, en plus. Donc du coup, ça veut dire que le mec, il a forcément l'anneau du frelon et l'anneau du lion. C'était très étrange. Le pain fantôme. Ah bah voilà. En plus il m'a regardé faire une demi-seconde en mode genre qu'est-ce qu'il fait? Va-t-il réagir? Glou glou. C'est un joueur posé. Le mec il met des pauses dans son gameplay. Naha. Non mais s'il vous plaît, madame. Madame, vous laguez assez méchamment, ça devient ridicule. C'est totalement ridicule. Alors ma voix est peut-être un peu enrouée parce que je viens d'enregistrer une vidéo sur un autre jeu, donc que je vais sortir demain. Là, elle est déjà en train d'uploader, mais je me suis dit, allez, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Du coup, allez hop, PDP du pif en premier, et du coup, c'est une vidéo où je m'entraîne à faire du doublage français. C'est j'ai pas encore regardé pour voir quel résultat ça faisait. Écoute, j'ai un espadon à demain. Un espadon courbe à demain. Malheureusement, ta poise n'est pas assez efficace. Pourquoi on fait des charges au corps à corps? Ça devient totalement ridicule. Quoique, non, ça va. C'est pas à Sangoku, le mec se téléporte pas. Du coup, ça va pour le moment. Ah, bah voilà! Mon cosplay âme des cendres ceste. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu. Décède, merci. tous les possesseurs de ceste peuvent aller crever en enfer. Falken dit ça avec la plus grande des convictions. Non, mais enfin. Merde, quoi. Vous pouvez pas faire des paris avec des instruments plus originaux, hein. Non, merde. Tu vois? C'est tout ce que vous méritez. Ah oui, c'est vrai, faut pas rouler dedans. Ce n'est pas le serpent de feu. Hein. Ah oui, oh bien sûr, oui, tu as prévu à la frame près tes frames d'hyper armor pour me contrer mon coup de dash à deux mains. Alors, non, moi j'aurais dû me prendre un coup, même si, enfin, selon le lag server, j'aurais dû me prendre un coup. Mais là, selon des vrais hitbox, de vrais jeux, de vrais netcode, ça m'est passé juste à côté de l'épaule. C'était beau, c'est beau, putain. En fait, ce que je pourrais faire, c'est genre buffer ma hache, et en fait juste faire ça. Mais s'il vous plaît! La meuf a la cancel son animation de stun. Et du coup, s'en est battu les steaks. Putain, c'est. Bah, là, t'es stunné. Fais pas la maline. Ha ha! Oula, mais. Mais ça n'a aucun sens. Allez, ramène-toi. Non, elle est pas assez bête pour ça. Dommage. Oups, oulala, non, faut pas rouler dedans. Ok.
Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Je gagne? Genre, révélation d'Ouvgudin? Pourquoi est-ce que je suis en train de gagner? Pourquoi est-ce que je gagne avec un Murakumo, quoi? L'une des armes que je déteste. Ouh, l'aliasing. Ouh, l'aliasing sur le reflet rouge. Regardez ça, regardez la pointe de l'arme. Madame? Elle a abandonné. Oula. Non mais regardez l'aliasing sur le. Et je joue en ultra, hein. N'oubliez pas que j'ai. N'oubliez pas que j'ai une GTX 1060. Ne l'oubliez pas. La carte graphique où j'ai même des drops de frames sur Diablo 3. Enfin, bref, nous ne parlons pas de ça. Ou sur Firewatch aussi. Firewatch, beau jeu, mais optimisé avec les fesses. Mais j'avoue, mais pourquoi je gagne avec le Murakumo, l'une des armes que je déteste le plus au monde? Alors là, on le voit tout petit peu. Non, mais c'est vrai, c'était avec le reflet rouge, en fait, c'était dégueulasse. Un aliasing, mais je sais pas ce qu'ils utilisent, ce qu'ils font pour leur shader. Mais c'est vrai que c'est pas très beau. Ah bah, madame. Oh bah. Est-ce que j'ai le droit de troller, hein? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser un rouge de cartouche? Non mais ça va être illégal. Oula. Excusez-moi madame. Écoutez, je dois vous rouge de cartucher la gueule. Là là, allez. Oula. Ouais, bon allez, concentration Falcon. Allez, tu as une win streak. Contente-toi de la mériter. Mais j'ai pas envie d'avoir une win streak avec un Murakumo. Merde. Genre non, pas le Murakumo, s'il vous plaît, tous mes bassins. Quoique c'est pas comme si j'avais une Dark Sword. On tente des trucs, Sabatina? Putain, mais il est pas un fantôme, quoi, s'il vous plaît. Ah, je pensais qu'il allait me bait. Parce que vu que c'est la strat à peu près standard des utilisateurs de ceste. Si vous insistez. Haha! Et donc oui, après une attaque sautée, eh bien c'est comme si vous étiez après une roulade. Donc du coup j'ai pu faire ce coup-là. Qu'est-ce que c'est que ce cancel? Oups. Mais c'est tellement. Par contre, l'angle d'attaque de l'attaque sautée, elle est tellement géniale. On a beau dire ce qu'on veut sur Murakumo. J'ai beau dire ce que je veux sur Murakumo. Faut dire que l'attaque sautée est quand même vachement sympa. Oui, alors oui. Oui! Oui, non, mais bien sûr! Alors oui, alors. On va dire un truc. Le Murakumo est plus lourd que l'espadon de Lichfeu. Il devrait par conséquent infliger plus de dégâts de Poise Break que toi. Mais si c'est la fameuse règle du Poise Break un peu infinie en mode. S'il y a un certain ordre d'action auparavant, et bah au final. Oh, tu vas me dire que tu l'as pas esquivé celle-là? Bah au final, s'il y a un certain enchaînement d'action, j'aurai moins de Poise Break qu'elle, et donc du coup elle va me guard break. Ça m'étonnerait que ce soit cet ordre-là précisément. Faudrait que j'apprenne cet ordre-là en fait. Comme ça me pourrait peut-être de mieux trade. Victoire totalement méritée. Genre, tu veux qu'on trade? Bah très bien, tradons. Ouais. Où est-elle? Elles sont spécialisées, aide-moi, tu es par là-bas. Merde. Moi qui avais tout calculé, la Ghost Range a encore. Encore tout ruiné. Not again! J'avais commencé l'animation de mon attaque! Tiens, je te coupe le bide. Qu'est-ce t'en dis, là, me descendre? Oui, en fait, avec le lag, ça. Non, au final, non. Est-ce que je cherche une excuse? Oui! Pas du tout. Ah! Bien sûr! Ouais, ok, je savais pas qu'il y avait un angle d'attaque de 360 degrés. Ça te gêne si je fais un peu le moine à marcher dans tes coins.
Qu'est-ce que c'est que ce deuxième coup qui m'a touché à l'infini? Ça n'a pas touché le sol, du coup, ça n'a pas fait l'impact. Peut-être que si, ou peut-être qu'elle a juste plus de mana. C'est peut-être ça, hein. C'est le mana. Tiens, moi j'ai du mana par contre, en veux. Allez, viens, on est à 2-2 en plus. Ah mais non, elle avait encore du mana, c'est juste... Ouais non. Ah ce Ting, j'aurais pu en profiter. Jean-Michel Axerveur, qu'est-ce que tu fais? Ah, cette glissade! Non mais est-ce que... Là ok, je suis en train de perdre ma win streak, certes. Mais est-ce que ça compte quand le mec en face lag à ce point? Vraiment, est-ce que c'est une excuse de merde? Ou est-ce que j'ai raison, ouais? Meuf. Bon, très bien. Bon, là, sur ce coup-ci, j'ai tradé comme un porc. Et je suis parvenu à l'abattoir. Je me suis fait directement démonter. Bon. Ouais, meilleur combattant, moi, je dis que c'est le lag serveur. Je pense que c'est le lag serveur qui a le play of the game. Non, j'y crois pas, personnellement. Non, je suis pas convaincu par l'efficacité de ce mauvais joueur. Non, même, il y a du lag, merde! Enfin, il y a plus de lag que d'habitude, c'est pas comme si je découvrais le PVP. Je redécouvre le PVP chaque jour, à chaque combat. Je redécouvre aussi le fait que, bordel de merde, quand on charge le liche-feu, en fait ça ne charge pas l'extérieur, malgré le temps de chargement initial, et qu'il faut encore 30 secondes à 1 minute de plus pour charger cette zone, bordel de merde, mais qu'est-ce... Ah ! La programmation d'un jeu. Enfin... ce serait tellement le jeu de l'année que Bloodborne si les temps de chargement n'étaient pas aussi dégueulasses et si les textures étaient mieux quoi. C'est meilleur, pardon. Oh non, bah si c'est encore Sabatina, pas la peine de venir. Combat de mort-vivant. Non, je sais pas, j'aime bien ce cosplay. Il est sympa, classique mais très efficace. Il a plus un sens contrairement à d'autres builds, le build de Carla notamment. Ouais, je sais pas, est-ce que utiliser un Murakumo à son weapon art pour one-shot quelqu'un, est-ce que c'est mieux que utiliser une flamme noire en mode spam pour détruire la vie de quelqu'un? Pour détruire la vie, c'est tous ses rêves et ses espoirs. Parce qu'au final, bah, c'est la même technique, hein. C'est juste totalement cheaté et... Ah mais non! Bordel de chiottes, bon, ok, la belle. Ok, donc, dans ce cas, après, on va... R2. Oh, joli. Oh non. Oh non, et ton lag va pas m'atteindre comme ça. Ah mais tiens, je te mets de la poussière dans les yeux. Non, pas cette fois-ci. J'avais calculé l'angle. D'ailleurs, question sérieuse. Est-ce que vous pensez vraiment que Dark Souls 3 est considéré comme le jeu de l'année? Mais si, peut-être, vous n'allez pas forcément répondre dans les commentaires, mais vraiment, je suis vraiment curieux parce que je vois énormément de gens dire que Dark Souls 3 est vraiment le GOTY de l'année. Et je me pose vraiment des questions en fait. Enfin... Je suis persuadé que non, c'est pas le GOTY. Pour moi, le GOTY, c'est Doom, clairement. J'ai pris un pied tellement énorme sur ce jeu. Enfin, je pensais pas qu'un jeu comme ça pouvait exister. En 2016, quand je vois tous les FPS qui sont calibrés, ce Battlefield 1 qui décide de niquer toute cohérence historique juste pour procurer du fun. Et au final, c'est leur argument marketing, mais au final, tout jeu est politique, qu'on le veut ou pas, tout jeu est politique. Et le fait d'utiliser la Première Guerre mondiale faire un best-seller, tout ça pour mettre genre le fun par-dessus tout, qu'il n'y ait pas la France ni la Russie en team, enfin en force présente, enfin n'importe quoi, c'est tellement n'importe quoi. Pour moi, mon jeu de l'année, ça reste, c'est Doom. J'ai tellement pris un pied énorme sur ce jeu. Je pensais pas que ça pouvait exister comme ça en 2016.
C'est sort tellement de nouveau, ça prend des mécaniques des anciens Doom et ça met des mécaniques de jeux plus actuels comme les finish moves, les points de talent, on va dire, les points de talent sur les armes. Ça mélange l'ancien et le nouveau pour faire un tout, mais tellement génialissime. Avec le feeling des armes, le jeu où t'es en transe avec l'OST et tout. Enfin, je sais pas, pour moi c'est vraiment mon jeu de l'année. Contrairement à Dark Souls 3 qui... Parce que, il y a le débat, est-ce que Dark Souls 3 c'est la continuité de l'univers, comme FF7, comme Star Wars 7, ou est-ce que c'est juste du fanservice? La question est totalement légitime. Tu oublies que mes coups sont à 360 degrés? Tu l'avais oublié ça? Hein, gamine? Tiens, voilà. Un peu de 360 degrés dans ta gueule. Un game. N'importe quoi. Non, mais ouais, c'est ça. Est-ce que. Parce que moi, je trouve le retour à Orlando beaucoup trop forcé comme moment. Comme zone, en fait. Là, même si Dark Souls 2, on peut le critiquer parce qu'il est pas assez original, au moins, il tentait des trucs. Il mettait quelques références. Sauf Einstein, qui est là, on sait pas trop pourquoi. Ici. Mais au final. Ghost Ranger. Mais au final, il tendait des trucs. Les références aux épisodes précédents étaient assez discrètes. C'était dans le deuxième DLC qu'il y avait l'épée de Dartorias. Et en plus, il y avait des genre guerriers majestueux, je sais pas quoi. Enfin, c'était juste une référence. Là, Oula, magnifique. Je lui maîtrise de la portée pour se rater mutuellement. Ah, yes! GG en tout cas, on a bien échangé sur ce coup-ci. Là, je sais pas, Dark Souls 3, la limite entre la continuité de l'univers et la cohérence narrative avec les cycles de feu, etc. Et le fanservice, elle me paraît très floue en fait. Je ne sais pas quelle est la limite, la vraie limite entre les deux. Et du coup, c'est pour moi, c'est justement à cause de cette limite-là, enfin du fanservice ou pas, que Dark Souls 3 ne peut pas mériter le fait d'être un GOTY en fait. Puisque tout ce que j'en ai dans Dark Souls 3, j'ai déjà vécu. Et vous aussi, vous l'avez vécu. Si vous avez déjà fait Dark Souls 1 ou Dark Souls 2, Dark Souls 3, vous l'avez déjà vécu, à l'exception de quelques boss comme, je sais pas, les princes jumeaux que j'ai trouvé absolument génial comme boss de fin, entre guillemets. À l'exception de ces mecs-là, il y a très peu de combats de boss qui arrivent vraiment à sortir du lot, même si certes, ils sont mieux foutus parce que chaque boss a enfin deux phases et la musique qui. Enfin, niveau musique, ça c'est vachement cool. Ça c'est nouveau par contre, le fait d'avoir la musique qui s'intensifie avec le selon la phase du boss, ça c'est cool. Après Bloodborne l'a déjà fait, du coup voilà. C'est pour ça que moi mon GOTY 2015 c'est Bloodborne et mon GOTY 2016 c'est certainement pas Dark Souls 3. Parce que ouais je sais pas, j'ai un sentiment de j'aime bien Dark Souls 3 mais je sais pas, j'ai un sentiment de déjà vu en fait. J'aurais bien aimé attendre un an de plus. Pour Dark Souls 3, certes, j'aurais pas gagné 1000 abonnés entre temps, mais au final, pour avoir un meilleur jeu, bah moi je dirais ouais quoi. C'est comme Bloodborne, putain, j'aurais bien attendu aussi un an pour avoir des meilleures textures. Rien que ça, parce que niveau level design, la cohérence du monde, le fait que tout soit relié, etc., je trouve ça génial. C'est peut-être pas aussi ouf que dans Dark Souls 1, mais ça reste quand même vachement impressionnant. Là où Dark Souls 3, bah, un peu comme Dark Souls 2, hein, les levels sont bien designés dans leur individualité, mais sont pas connectés entre eux. Alors que là, dans Bloodborne, le fait de passer à gauche et droite, tu passes par le clocher, enfin l'espèce de tour, du coup tu redescends, tu passes derrière la grille à 10 000 écos de sang. Après, t'as le vieux Yharnam, tu passes en dessous, tu à Yharghoul, enfin, ça m'a rendu tellement ouf ce level design et j'ai trouvé ça fascinant. Donc, une prouesse que Dark Souls 1 faisait justement. Mais pas Dark Souls 2, ni Demon's Souls, ni Dark Souls 3. Et donc là, on va faire un petit duel pour terminer. Non, c'est ça parce que en fait, la grosse nouveauté de Dark Souls 3, enfin, il y avait le hit-up mécanique qui a totalement disparu, c'était annoncé par Miyazaki avec les trailers, tout ça, mais au final, ça a été totalement abandonné. C'était juste pour dire, oh, regardez les mecs, on va mettre des boss avec deux phases. Et oh tiens, oh, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Un Odachi, d'accord. Non, mais bah, très bien.
J'ai envie de dire, c'est original, la truc de geôlier. Ah, mais tu fais les L2R1. C'est original. C'est une technique que je n'ai pas vue depuis des millénaires. Tu gères ta portée mieux que moi, bravo. Ouch. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de spell d'astuce ici. Pourquoi j'en ai 5 dans ce cas? Mais enfin, l'accès aux fioles d'astuce est coincé, mais je sais pas pourquoi ils font quoi, ils font ça quoi. Genre en mode genre, hey, tu vois tes fioles d'astuce? Eh bah tu les auras pas! Très bien, From Software. Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est très sérieux. J'ai une petite perle sous mes aisselles. Bon, donc, quoi, Falcon, tout de suite. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, qu'est-ce que je peux faire contre un mec qui sprint? Avec le Nodashi. Mais après, c'est le Nodashi. Du coup, c'est moins rapide que hein, qu'une rapière ou qu'une Chaos Blade. Chaos Blade qui a perdu tout son swag à Dark Souls 3. Non, 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 c'était pas le bon mot, non. Toute sa pré. Quoique, dans Dark Souls 1, c'était une bonne arme. Dans Dark Souls 2, ça pouvait être totalement cramé. Et dans Dark Souls 3, bah, je sais pas, elle a totalement disparu en fait. Les katanas ont disparu. Enfin. À part le Nodashi à cause de sa portée et de sa Ghost Range totalement craquée, et évidemment de l'Onikiri. Kiri, 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 pardon, au sous là, ça m'a échappé. Bonjour Anima. It's a buff time. Quel katana utilises-tu? Katana sanguinaire? Ah non! Je sais ce que c'est, je connais cette arme. Je l'ai aperçue en flashback. Elle me rappelle des mauvais souvenirs. Mon Dieu. Mais là, ah, mais le temps de récupération, quoi, sans déconner, le mec il a même pas le temps de poser genou à terre. Tu peux déjà se casser, quoi, en roulade. Roll away. Tiens, mange ta race. Ah, oh, dernier espoir. Enfin, l'arme de déni, je sais pas quoi. L'arme. Je dénie ma mort. Qu'est-ce donc que cela? Non. Trop rapide pour toi! Allez, encore un dernier. Lui-même, tu vas se faire feu, genre 3 duels. Mais c'était intéressant, le mec tentait des trucs, mais j'ai été plus malin que lui niveau moveset. En même temps, je ne peux rien faire contre le Nodashi. C'est un fait. Et j'ai vaincu l'Onikiri, bordel de merde. J'ai réussi. Enfin, peut-être que à force de mourir contre l'Onikiri, j'ai enfin trouvé une strat. Genre, il était temps, Falcon, bordel de merde, que tu acceptes, que tu t'entraînes à esquiver cette daube. Non, je sais pas, je trouve le temps de récupération beaucoup trop. Là où, genre, il y a certaines techniques de charge qui sont plus dures à caser, et en plus, tu mets plus de temps. Enfin, c'est plus dur à caser, il y a moins de hitbox, et en plus, tu mets 10 000 ans à t'en relever, tu peux pas faire un roll cancel sur l'animation. Là, l'Onikiri Lubadashi, ben non, c'est. T'as posé genou à terre, t'as posé ton pied à terre, bim, tu peux rouler. Bordel de merde, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Ah, ok, non, mais je connais le. Eras, tu regardes cette vidéo, tu m'as suffisamment entraîné face à cette arme. C'est. L'espadon noir, là, ce truc, a une ghost range et une poise de malade mental. Faut jamais tenter de trade avec ce truc. Ça va beaucoup plus loin et ça tank beaucoup plus que les autres espadons. Les dégâts sont un peu moindres parce que c'est un build assez spécial, c'est un build de sorcier en fait, tout simplement. Pas forcément de combattant. Tu peux pas parer ça. Enfin, non, je crois que tu peux parer le premier spin, mais pas ceux d'après. Enfin, en même temps, si tu pars pas le premier, souvent tu vas te bouffer le deuxième. Je veux dire, comment est-ce que tu pourrais esquiver le premier et avoir suffisamment de temps pour déclencher un pari sur le deuxième? Je suis perplexe. Ou alors, ouais, non, tu bloques, tu utilises un bouclier, voilà, tu utilises un bouclier pour parier, ce que personne ne fait. Du coup, tac, tac, ouais, y a moyen. En plus, si je fais un décalage, genre. C'est ça, genre, si je fais un décalage de timing, il y a moyen que le mec en face puisse parier. Enfin, c'est le genre de truc qui n'arrivera jamais, évidemment. Mais voilà, c'est toujours sympathique. Enfin, comme je le dis souvent, les enfants, les décalages de timing, c'est la vie.
C'est comme ça que 90% des paris contre moi ne servent plus à rien maintenant. Enfin, tombe à l'eau. Oh, un violet. Oh, l'espèce de fumerole. Et le... Oula, on a un goldé en face. Mais non, il est bronze goldé. Ok, donc je sais ce que tu vas faire. Tu vas essayer de trade juste avec des R1. Et donc du coup, moi je vais faire exactement pareil, mais à mon rythme. Alors, tu essaies de trade avec des R1? Non, R2. Pff. Non, je connais mon temps de récupération sur mon R1. Petit connard. Tant que Lord Tarkus. Ah, mais en tant que cosplay, c'est quand même assez dégueulasse parce que... Tarkus... Mais attends, mais Tarkus Fer Noir, il a l'armure de Fer Noir qui existe dans Dark Souls 3, si j'ai bonne mémoire. Et en plus, l'épée, c'est pas la bonne. Bref, non. Même si tu essaies de faire des cosplays, ça ne marche pas. Moi, même si je m'appelle Mr. Ambidextrous, c'est pour des raisons de praticité, hein, voilà. J'ai pas forcément envie de refaire un perso à chaque fois. Vive les backup save. Vive les backup save. Les backup save, c'est la vie. Ou un gris. Mon mec normal. Excelsior. Et tu nous fais un cosplay de paladin de Drake Drakestorm. Excuse-moi, je me buff pendant que tu me balances un rayon magique. Rayon magique. Ah, mais quel con. Allez, on se concentre, Falcon. Je fais de la merde en boîte. En plus, c'est con, c'est mon premier PVP du pif, ça laisse pendant des jumeaux, je le connais. Enfin, je suis censé le connaître. C'est humiliant. En plus, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'étais habitué à la vitesse de lancer des kukuri, donc les kunai lourds, entre guillemets. Et du coup, les kunai normaux, j'ai totalement zappé. Enfin, les couteaux de lancer, j'ai totalement zappé qu'ils pouvaient aller aussi rapidement. J'avoue que c'est petit kunai humiliant à la fin. Mais en même temps, quoi, la ghost range, le sprint R1, je pense être hors de portée, mais non. Faut toujours rouler. Dans ma tête, je suis dans un jeu où la Ghost Ring n'existe pas. Et donc du coup, bah, je me fais niquer à cause de ça, quoi. Moi qui voulais faire des ralentis avec la lame qui passe près de ma tête en mode genre je t'esquive. Et bah au final, non. Non, on est dans Dark Souls, bâtard. Du coup, il y a la Ghost Range. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Oula, ouh, j'ai cru que c'était quelqu'un à moitié nu. Non, en fait, c'est juste un... Ce n'est pas un pagne, mais c'est... quelqu'un avec l'armure de pâte et... J'aurais pas fait un PVP avec ça, justement. Avec le bois d'immolation. Bon, c'est quand qu'elle va se trigger ta bouboule, là? Ou c'est un bug gravé, peut-être? Un nouveau bug, Dark Souls 3, on n'est jamais au courant. Ça peut toujours nous étonner. Oui, c'est vrai, on peut sprinter et faire genre des coups post roulades avec l'épée magique de Cartus. C'était bien bug graphique. Écoute, moi j'ai une vraie arme physique, donc du coup tu peux rien faire contre ça. Même si je pense que le moindre petit coup de... petit coup laser là, petit pio, ça pourrait me faire bien mal. Non. Genre, en faisant ça, je l'ai esquivé quoi. J'ai mis mes épaules légèrement en avant, du coup j'esquive. Du hitbox porn comme vous aimez. Ça c'est beau ça. Enfin, si seulement Dark Souls 3 ne pouvait être que du hitbox porn et pas du ghost range en pagaille et de la merde comme ça. Là, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de DamneHTML où c'est, je pense que le nom de la vidéo c'est à quoi ressemblerait Dark Souls 3 sans lag. Ou même, ouais c'est ça, genre LAN, comme si Dark Souls 3 était en LAN, donc du coup sans aucun lag serveur. Enfin. Dans la manip qu'il a fait pour faire un combat en PvP sans lag, c'est justement il a fait une partie avec un pote en LAN, et donc du coup il y avait vraiment aucun lag, et c'était genre, c'était beau, c'était un rêve inaccessible. J'ai déjà dit,
Donc c'était sur la chaîne de Dem No HTML. Donc du coup, je vous invite vraiment à regarder ça. Du coup, j'espère que ce retour du PVP du PIF vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !